Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Auguste. Moi c'est Kevin. Enchanté Kevin. Quelle est la pire chose? Je dis bien la pire chose que tu as eu à faire un garçon par amour. Quelle est la pire chose que tu as eu à faire une fille par amour? Point d'interrogation. Bon, la pire chose que j'ai eu à faire un garçon, c'est le compris. Ce n'est que ça. C'est mal compris. Oui, seulement le compris. J'ai déjà bagarré avec un homme quand même. Donc c'est la pire chose que tu as eu à faire. Bagarrer, oui, le griffer, oui. Coller ses pieds, déchirer ses caressons, c'est ça non? Non, juste bagarrer ses pieds. C'est vrai! Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je métisse. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Auguste. Moi c'est Léa. Ingrid. Aïcha. Moi c'est Kevin. Willy Martial. Grâce. Moi c'est Jordan. Et moi c'est Loïc. Enchanté Loïc. Bon, la question est vu qu'on aimerait savoir, nous et nos internautes, c'est la suivante. Quelle est la pire chose? Je dis bien la pire chose que tu as eu à faire à un garçon. Donc quand tu es fâché, non, par amour. Je ne parle plus. Tu ne parles plus. Le snob, l'équipe. Seulement ça. Donc tu n'as pas seulement écrit, tu as seulement snobé. Oui, être snobé, non. Parce que moi, ce n'est pas dans mes habitudes de mettre les niveaux dans les lycées. Moi, ça ne s'arrive. Ou bien de bloquer sur WhatsApp, moi, ça ne s'arrive. Je peux l'ignorer. Oui. Là, parce que quand elle va t'ignorer pendant longtemps, tu vas te fatiguer en fait quand tu sais de m'écrire. Donc, c'est tout ça. Je te remercie. Quelle est la pire chose? Je dis bien la pire chose, donc ce que tu as eu à faire de mal à une fille. La pire chose. Par amour, hein? La pire chose, oui. Par amour. Oui, quand tu as eu fait de mal par amour. Il y a une soirée qui te bat, une soirée qui ne t'a pas plu, maintenant tu peux te fâcher, tu fais comme ça là. Si tu veux te marquer par exemple, ce que tu as fait de plus fille. C'est vrai que j'ai pas connu assez de filles. J'étais un peu timide. Maintenant la fille, je ne sais pas. Hein. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez réservé. Maintenant fille, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je pourrais dire. Je l'ai trouvé avec Fabo, sa fille avec qui il m'a trompé. Je l'ai regardé. C'est tout? C'est tout. Seulement ça? Oui. Parce qu'après ça, il est tombé malade. Donc pour moi, c'est la pire chose que je Donc tu n'as pas fait comme s'il avait fait dans le film là? Non, elle a regardé, elle a fait comme s'il n'y avait rien. Après, c'est vengeance, il s'en qu'elle était enceinte. Non, la vengeance, ça, c'est le donner le temps. Moi, je suis dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc tu pourrais préparer ta vengeance même. Tu pourrais le pomper, après tu te venges. Ça, c'est lui donner le donne pas le. Ah bon? Oui. Donc si tu n'as rien fait, tu restes tranquille. Oui. Vraiment. Ça veut dire qu'il ne me méritait pas. Je vais perdre mon temps sur ça. Vraiment? Oui. Tu es les intérêts sans que tu regardes. Je me regarde. Donc si tu manques, comment. Je te remercie beaucoup. Quelle est la pire chose? Il vient la pire chose que tu as eu à faire une fille par amour. La pire chose? Oui. Bon, peut-être. Bagarrer, mais. J'ai déjà eu un tour avec un ami pour une fille. Mais je pense pas que ça. Bon, je pense pas que ça peut encore être le cas aujourd'hui, vu que ça fait l'année passée. Rien ne me vient à l'esprit maintenant depuis de grave ou bien que j'ai fait quelque chose. Rien ne me vient à l'esprit vraiment. Mais tu as eu une fille, non? Tu as eu une petite amie, non? Oui, j'ai eu une petite amie. Et tu n'as jamais. Elle t'a jamais énervé, t'as un peu dit qu'il t'a pas. Elle m'énerve, je sors, je pars. Je vais. Je marche, je prends l'air ou bien j'allume le jeu vidéo, je commence à jouer. Je me dis que je réagis parce qu'elle m'a énervé. Quoi? Donc tu n'as eu qu'une seule petite amie. Bon, alors bon, regarde un peu, j'ai déjà dit ceci. La pire chose que tu as eu à faire à une fille, par amour. Donc tu fais ça à la fille là, pas à ton ami. Elle m'a dit la pire chose que tu as eu à faire pour une fille. Que tu as fait à une fille. Tu vois bien ma question là? Bon, la pire chose, elle a eu
elle a eu à l'offrir un cadeau à la mener en balade et elle était très heureuse. Et ça, elle m'a beaucoup félicité et ça m'a également plu. Vous voyez, et j'étais heureux. Non, je ne dirais pas que j'ai eu une seule. Voilà, mais... si tu as eu une ex, ça veut dire forcément que si vous êtes séparés, ça veut dire forcément qu'il y a eu tout qui ne s'est passé pas. Vous n'avez pas. Oui, si on se sépare, on peut se séparer par exemple, bon, il y a peut-être la distance, oui, ou bien même la mort, parce qu'il y a une question de la mort. Il y a plein de raisons, mais si on se séparait, peut-être qu'on n'avait pas, c'était une incompatibilité d'humeur. C'était qu'on ne devait pas finir ensemble parce que là maintenant je suis aussi marié. Donc, je ne peux pas dire que je ne suis pas le genre qui réagit peut-être d'une façon de type tac. Tu me fais quelque chose vraiment. Si je vais m'asseoir quelque part, je disais simplement calmement dans mon coin et après je reviens. Je te remercie. Quelle est la pire chose que tu as eu à faire un garçon? Bon, la pire chose que j'ai eu à faire un garçon, c'est le tromper. Ce n'est que ça. Oui, c'est mal compris. Oui, c'est mal compris. Ouais, donc le gars qui est en train de regarder là, il a encore se poser des questions, hein. Oui, c'est normal. Vraiment. Donc dis que la pire chose que j'ai eu à faire un garçon, c'est le tromper. Regarde la caméra, tu dis ça. La pire chose que j'ai eu à faire, c'est tromper mon gars. Ok. Je te remercie. C'est pas une accusation, c'est une constatation. Parle. Une constatation. Quelle est la pire chose que tu as eu à faire à un garçon? La pire chose. La pire chose que tu as eu à faire à un garçon, la pire chose. Comment je comprends pas? Pire chose. Quand il se demande quelque chose que tu as eu à faire de mal à un garçon, non? Peut-être que tu t'es fâché de lui, non? Tu t'es fâché, tu as eu à lui faire ça du jus, par exemple. Non, rien. Tu n'as jamais rien fait à un garçon quand tu es fâché. Rien mais, du tout. Mais j'ai déjà bagarré avec un homme. Donc c'est la pire chose que tu as eu à faire. Oui. Bagarrer. Oui. Le griffer. Oui. Pour ses pieds, déchirer ses caressons, c'est ça non? Non, juste bagarrer ses pieds. C'est tout. Tu bagarres avec un garçon, tu n'as pas peur. J'ai peur de quoi? Qui va me faire? Bon, ça n'est pas aussi. C'est pas. Il peut bien me fouetter. Homme... J'ai quand même bagarré. Le homme... avec mon ex. Non, c'est ça que je... Bon, regarde. Dis ceci. Bon, la fille fait la pire quoi? C'est que tu as eu à faire de mauvais à une fille. Là, tu es fâché, elle t'a fait du mal. Tu veux te venger. Tu veux un peu. Dans la pire chose que tu lui as faite. Ah, la pire chose que tu lui as faite. Oui, oui. Ah. Tu n'as jamais fait du mal à ta petite amie. Ah. Oui, elle a eu un trauma avec sa copine. Et c'est ça, rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Te remercie. Non, homme, si tu n'as jamais rien fait un garçon, que tu es fâché, que même une pensée dit que tu vas tuer le garçon, déjà, tu n'as jamais passé à l'esprit. Moi, je pense pas que je n'ai pas pensé à l'esprit. Mais tu n'as jamais pensé à te venger. Il t'a fait un truc, il t'a pas plu. Tu as dit que tu vas te venger. Tu n'as jamais pensé à te venger. Même en pensée seulement, hein, pas agir seulement, en pensée seulement. Non, ça ne va jamais dans ma tête. Tu as les pensées. Comme ça, oui. Je te remercie. Je te remercie. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Auguste. Moi, c'est Léa. Enchanté, Léa. Ok, la question du jour qu'on aimerait savoir, nous, nos internautes, est la suivante. Oui. Quelle est la pire chose, je dis bien la pire chose que tu as eu à faire un garçon par nous. Donc, ce que tu as eu à faire de mal à un garçon quand tu es énervé. La pire chose. Il y a plusieurs que c'est trop. Non, tu peux citer un exemple. Tu peux bien le plus citer. Par nous. Oui. Peut-être le tromper, oui. Ce n'est que ça. Oui. Donc, tu ne peux pas donner la suite. Non. Tu as même pensé déjà à le lâcher quand il est en train de dormir. Non. Parce qu'il y a beaucoup de filles qu'on a déjà rencontrées qui m'ont dit que non, elles ont eu à lâcher un garçon au sommet par amour. Non. Par amour, comment on lâche quelqu'un par amour? Non. Déjà, peut-être la compère est jalouse, elle veut se venger. Non. Donc, c'est vrai que ça a le compris. Il peut juste lui tromper, lui montrer. Il peut lui faire comprendre que moi aussi je veux. Et moi, il est jaloux, ça va. Je te remercie. Pire chose. J'ai dit dernière, la pire chose que tu as eu à faire. À une fille, par amour. Par amour. Là, il dit que la pire chose, donc quand tu es fâché, tu as fait à une fille, quand tu es fâché, par amour. Je suis fâché. Il y a un peu de toi. Hein. Non, il s'est rappelé. Comment il y a forcément, tu as forcément une petite amie. Peut-être tu les mets à barrer, ou bien peut-être tu as fait un truc qui ne t'a pas. Je les mets, elle m'a barré. Comme dans moi, je voulais me venger pour me barrer. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Même dans la relation. C'est que tu as eu à faire, oui, c'est qu'elle a fait un truc qui ne t'a pas plu. Pas forcément te barrer.
quelqu'un veut me venger. Il a pris le numéro de la camarade à l'école pour me venger. Je te plaît, les deux. C'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça. Je te remercie. Quelle est la pire chose que tu as fait à une fille par amour? La pire chose? Oui. Ton papa bien, qu'elle t'a encore bien. Et bon, c'est ta fille. Si tu avais une fille par exemple, elle a fait un truc qui t'a pas plu, que ce soit pendant la relation ou hors de la relation, j'ai peut-être te barrer, te tromper. Donc, bref, tout ce qui peut te faire de mauvais, non? Et maintenant, tu avais été vengé. Quelle est la pire chose que tu as eu à lui faire? Sortir avec sa camarade. Ah bon? Oui. Vraiment? Oui. C'est que ça? Et si je ne veux pas avoir. Bon, je ne veux pas dire mon amour, elle peut se conseiller, j'ai déjà conseillé. Vraiment? Oui. Je te remercie. La voix des sans-voix, l'éclaireur de conscience africaine.